Meghan Markle n'a pas le monopole des nouveaux projets. Tandis que la duchesse de Sussex sortira bientôt une collection de vêtements pour l'association Smartworks et a pour projet d'écrire un livre pour enfants sur la protection des animaux, voilà que la princesse Eugénie a elle aussi une idée à mettre au point. Après avoir lancé en 2017 avec sa meilleure amie Julia de Bouinville, l'association caritative The Anti-Slavery Collective, engagée contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains, la petite fille d'Elisabeth II a annoncé sur Instagram le lancement d'un podcast. Réalisé en collaboration avec Freedom United, qui s'engage à travers le monde entier pour lutter contre l'esclavage moderne, Eugénie Diorc a précisé que ces documents audio permettraient d'écouter les conférences données par son association, et qui s'intituleront Tentacle Trafficking. Le moment est venu de parler de ce sujet, cela préoccupe déjà tout le monde. Si ce n'est pas encore le cas, alors ça doit le devenir. Nous le faisons pour les personnes qui ne peuvent ni crier, ni s'exprimer au sujet de leurs conditions comme nous le pouvons, a ainsi annoncé la princesse sur Instagram, comme le relaye The Sun. Amis depuis de longues années après s'être rencontrés à l'école, Eugénie Diorc et Julia de Bouinville ont eu l'idée de fonder The Anti-Slavery Collective après un voyage en Inde en 2012. Choquées de découvrir à quel point l'esclavage existe encore, elles ont alors décidé de s'engager contre l'esclavage moderne, et se rendent même régulièrement à l'ONU pour assister aux débats sur ces thématiques. Step up.